Les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur cette chaîne secondaire. Ça fait longtemps, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo sur la chaîne secondaire, je dis que ça fait longtemps. Mais en même temps, c'est un peu vrai à chaque fois. Écoutez, je sais, je l'ai délaissé trop longtemps. Je vais essayer vraiment d'être plus assidu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un petit peu abaissé le rythme de la chaîne principale et que je suis passé à une vidéo par semaine pour pouvoir un peu plus live sur Twitch et également un peu plus, poster sur cette chaîne secondaire. Et je me suis dit, comment revenir sur cette chaîne? Parce que là, je savais pas en mode, bonjour, je suis de retour encore. C'est chiant. Je me suis dit, il y avait une vidéo l'année dernière qui vous avait beaucoup plu. C'était un concours d'apnée. Et bah je vais refaire exactement pareil, un concours d'apnée, mais pas à 3 cette fois-ci. On va être 7 youtubeurs dans cette villa juste gigantesque, dans une piscine immense, pour faire un petit concours d'apnée et voir celui qui reste le plus longtemps sous l'eau. C'est tout de suite, c'est maintenant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore fait. Je rappelle que c'est une chaîne secondaire, il y aura pas un contenu incroyable tout le temps, hein. Des fois il y aura des contenus très travaillés, des fois il y aura des concours d'apnée. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous êtes conscient et que vous avez intégré l'idée, parce que vraiment c'est une chaîne secondaire. Je fais vraiment un petit peu tout n'importe quoi, dès qu'un truc qui me passe par la tête, ça va sur cette chaîne. Écoutez, c'est parti, on y va. Concours d'apnée. Tout de suite. Présentation des incroyables participants pour la compétition. On a Gizzy là, juste ici. Dooms là. On a Lucas. Et on a Camille. Et sans oublier, moi-même. Et Neoxy. Qui c'est qui va tenir le plus longtemps? C'est pas moi. Eh bah écoutez les beaux gosses, on va du coup participer à un concours d'apnée. On rappelle aux gens que faire un truc comme ça, c'est dangereux. Les professionnels, ça fait 6 ans qu'on s'entraîne pour préparer cette vidéo. 6 ans, vous dire. Exactement, 6 ans. Donc si jamais vous faites ce genre de compétition entre potes, rappelez-vous que faut faire attention parce que ça peut être dangereux. Donc toujours sous la surveillance d'un adulte. Pourquoi il monte sa table lui? Il faut ça, il y a vraiment, il y a le ressort comme ça, et donc Camille la voit, elle est comme ça, ok. Mais en vrai, il y a un vrai bail des pros, ils font un truc comme ça, où ils font ça là. Oui, parce que je l'ai fait là. Ouais, voilà, alors regarde, c'est bizarre quand même. On est pas spécial à la base, ok. Je vois rien, je vois. C'est parti pour la première manche. J'ai pas de jingle, donc c'est parti. Premier échec de Camille, elle a tenu à peine 10 minutes. Échec de Gizzy. Échec de Sora. La première manche a été gagnée par... Je sais pas combien de temps d'après, mais c'est un peu rare en fait. En tant que ça, les pros du coup, vraiment ce que c'est le truc là. Mais je crois que vraiment, j'ai vu un reportage, les champions ils faisaient un truc comme ça. Je vous jure, c'est vrai. N'hésitez pas à mettre un commentaire, Lucas, tu fais vraiment de la merde. Non mais si les poissons ils font ça, il y a rien de sûr pour nous et... N'hésitez pas à dire en commentaire à Lucas et Neoxy, tu dis de la merde. Ok, 3, 2, 1, go. Attends, lequel va gagner? Lequel va gagner? Il tient à peine 30 secondes. Lequel va gagner? Ah ouais, tiens dans longtemps. C'est toi qui a gagné. Ok, moi je vise pour Neoxy. Neoxy va gagner. Ah ouais, je me vise Neoxy parce qu'il a gagné la première. Ah il a gagné la première? Ah merde, j'ai pas vu. Bah Neoxy. Oh là, Lucas il est bien parti. Oh, Sora il bouge, Sora il bouge. Sora il a envie de remonter. Sora il va monter. Oh là là, il en reste deux. Ok, Neoxy Lucas. Neoxy Lucas, il va monter en premier. Après les deux victoires de Neoxy, mais qui est quand même honorable, on va faire quelque chose de très fair play. Celui qui gagne celle-là, il gagne tout. Dernière manche. 3, 2, 1. Ce manteau invisible est l'outil suprême pour un chasseur à l'affût. Ah, j'ai gagné, je suis le premier. Ah, j'ai gagné, non, je suis le premier. En fait, t'as pas compris le jeu, en fait, c'est l'inverse. Faut être le dernier à être sorti. Oh putain.
nul. Ah merde, c'est le dernier. Ah bah ouais, c'est le dernier. Il s'est trompé, Guy. Là, et victoire de Neoxu. Bien joué, Valentin. Celui qui sort en premier. L'arbitre, est-ce que j'avais dit quoi? En fait, t'as dit le premier qui sort a gagné, en fait. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc celui qui a été le plus éclaté sa mère. C'est bon. Est-ce qu'on n'entre pas, vous arrivez là? Vraiment, je pense des enfants 8 ans me battent. C'est vrai, c'est vraiment. Oh, attends, tu sais, tu sais qu'à chaque fois, je suis vraiment à fond. Genre, je peux pas faire mieux. Manche ultime, manche bonus. À 3 de 1, 2, 3, c'est parti, les gars. Oh! Oh, putain, je suis là. Ah, je vais mettre trop d'art. Sora, il est fort ou quoi? Allez, encore, encore. Ah, mais ouais. Allez, trop chaud, c'est bien. Les gars, il y a. On est à 19 minutes 45, hein. Moi je me casse aussi en vrai, hein. Bah ils sont partis mec, ça faisait 35 minutes que t'étais dedans. Ça fait déjà 35 minutes? Ouais, j'allais partir, hein. Toi aussi? Bah ouais mec, j'ai des trucs à faire.